Salut à toi qui regarde cette vidéo, c'est Plegis d'XboxLive.fr. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Phi. Phi est un jeu, on va dire, indépendant, parce qu'il est soutenu malgré tout par Electronic Arts, et on va découvrir ensemble de quoi il s'agit. Alors comme tu peux le voir, Phi, c'est un jeu d'aventure exploration qui mêle un peu de plateforme, enfin un peu, c'est voire même beaucoup, dans lequel on a un personnage, une petite boule de poil qui va pouvoir communiquer avec les autres en apprenant leurs cris, et ce qui va permettre de aussi interagir avec le reste de l'environnement pour pouvoir avancer dans les niveaux. En gros, un ours, tu apprends son cri et tu vas pouvoir, alors ce qui est assez surprenant, tu vas pouvoir voir dans le noir, éclairer les cavernes et activer les champignons qui vont faire de la lumière. Le cerf par exemple va te servir, le cri du cerf va te servir à activer des fleurs qui vont permettre de planer un peu plus haut dans le ciel. Donc voilà, ça va être les changements. On va pouvoir du coup interagir avec l'environnement pour pouvoir passer des différents niveaux. Donc ça c'est très basique, hein, parce qu'on retrouve ça dans beaucoup de jeux. La force, c'est le fait que il a un environnement un peu spécifique, dans le sens où on n'a pas de narration, rien n'est expliqué, donc il va falloir apprendre un peu sur le tas. Donc c'est assez frustrant au début, parce qu'on ne sait pas vraiment quoi faire et comment jouer. Mais ça va venir assez vite, les 15-20 premières minutes, on comprend ce qui se passe. Et c'est plus au niveau du scénario où on devine, on comprend plus ou moins ce qui arrive grâce à des peintures qui sont écrites sur les murs. On arrive à décrypter l'histoire du jeu, mais ça reste assez... Il manque quelque chose pour qu'on se dise « Ouais, ok, c'est cool, je comprends, j'ai envie d'aller encore plus loin dans le jeu. » Donc finalement, tu traces... Pendant 8 heures, tu traces sur le jeu, tu découvres un petit peu, tu fais ta petite vie, tu découvres tes items par-ci par-là, et puis vas-y, j'évolue, et puis oh, moi j'ai fini. Voilà, basta. Bah, c'est comme ça que je l'ai vécu le jeu, c'est que c'est bien, c'est facile à prendre en main, c'est mignon parce que les couleurs sont belles, graphiquement ça tient la route. Alors, d'ailleurs, en parlant de graphisme, que ce soit sur Xbox One X ou sur Xbox One, finalement c'est la même chose, même si sur les Xbox One X tu as les assets 4K, la claque n'est pas... ça fait pas un gouffre entre les deux. Et bon, alors tant mieux, parce que du coup les possesseurs de Xbox One sont pas liésés, mais... Bon, c'est pas la peine d'acheter ce jeu-là d'acheter une Xbox One X pour ce jeu-là. C'est ça que je veux dire. Hormis pour le premier chargement qui est ultra long sur FAT et qui est relativement court sur Xbox One X. Bref, si t'as réussi à tenir pendant les 3 minutes de mon monologue, tu comprendras que Phi, c'est un bon jeu, mais il lui manque quelque chose pour accrocher définitivement le joueur et se dire « Ouais, ok, ce jeu-là, il me le faut. » Alors, forcément, si t'as envie de te le faire, à 19,99€, tu seras pas déçu. Le jeu est beau, sympa,
Mais voilà, il restera pas 10 000 ans sur ta console et tu diras pas, tiens, j'ai envie de me faire un fils ce soir. Non, non, non. C'est tu le consommes et puis tu le ranges. Et voilà. Si t'as des questions particulières, n'hésite pas à les poser sur xboxlive.fr. Moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo au complet et je te dis à très bientôt. Salut !